Pourquoi on ne se sent pas soi face à un borderline? Il y a beaucoup de borderlines qui disent ah ben les autres sont faux en fait. Mais en réalité, les personnes en face se disent ben moi j'ai l'impression de tout le temps marcher sur des œufs, de ne pas pouvoir être moi, parce que si je me laissais aller, eh bien j'aurais des paroles qui pourraient blesser et ce sont des petites choses. Du coup, j'ai besoin de maîtriser la situation et je vais du coup me maîtriser. Parce que mon intention, c'est pas de blesser l'autre, en fait. Mon intention, justement, c'est que ça se passe bien, d'éviter les crises. Et c'est un leurre parce que éviter les crises, ben, c'est difficile. Donc, généralement, les crises reviennent, c'est cyclique chez les borderline, donc ça revient inévitablement. Malgré tout, c'est vrai que en tamisant ce qu'on dit, ou en étant dans une position où il y a certaines choses qu'on peut mettre en place, effectivement, pour ne pas aborder certains sujets, ça peut, en tout cas, éviter certaines crises, mais pas toutes.